Kioscophone, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascophique, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Ouais, ambiance est normal, ils sont tous dans le groupe. Ambiance pour moi, c'est Gitoko, tout ça, un objectif, moi encore. Tout le monde a pour un mot qui s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique. Tout le monde, moi, le peuple congolais, il a tout raté mondial. Donc, tout le monde là moi, pour tout se qualifier dans la Coupe d'Afrique. L'ambiance pour moi, c'est ça. Ouais, Bisson, un joueur conscient, ça m'a rendu encore vraiment, et ça là. Tout est bien, étape pour tout le monde, il a une facilité. Et. Donc, conscience pour mes acquis, il faut se qualifier. Donc, objectif pour toi, non, carrément. Tout le temps, on a la sélection, on a eu un bon pour nous mouiller maillot, de façon que tout se qualifie dans la Coupe d'Afrique. Ouais, message, je peu ça, Bango. Moi, je regrette ça quand je parce que le match est en huis clos. Et place, nous sommes sous le bâtard, à Sir, qui est au CP, ça, Bango. Cette fois-ci, vraiment, tu as mouillé maillot à fond pour tout CP, ça, Bango, ça satisfait. Que cette campagne sera faite avec le mérite et surtout l'objectif de retrouver la CAN parce qu'on ne l'a pas faite la dernière, donc ça a été une déception pour tout le monde. Maintenant on a l'objectif de retrouver cette CAN et d'aller le plus loin possible. Est-ce que vous avez tiré des leçons par rapport à cette campagne ratée et ce que vous allez faire pour vous qualifier cette fois-ci? C'est important de tomber. Pour moi, quand tu tombes, ça veut dire que tu essaies de faire quelque chose de nouveau. Et voilà, maintenant on est tombé, on va se relever pour trouver les ressources et repartir du bon. Ça voix, volume. Et un petit message par rapport aux supporters, ils sont toujours de cœur avec vous, la campagne du mondial est un échec, mais ils croient encore à vous pour cette campagne de la CAN. Nous, ça nous fait plaisir parce qu'on sait qu'ils seront toujours derrière nous, quoi qu'il arrive, même si on est tous déçus, même si on est déçus au même niveau qu'eux. Donc, on espère qu'ils seront toujours avec nous pour les bons résultats du Congo. Shadrack, le match contre le Gabon, c'est un match qui aujourd'hui va se jouer dans un contexte un peu particulier. On sait tous ce qui s'est passé entre la RDC et le Gabon lors des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun, la dernière édition. Alors, vous, les Léopards, avec quel état d'esprit vous allez aborder cette rencontre? Que ce soit le Gabon, que ce soit une autre équipe en face, nous on doit faire bon visage pour les débuts de cette compétition et c'est tout ce qui nous intéresse, peu importe les supporters, enfin, l'adversaire à côté. Shadrack, dernière question. On va faire avec aussi le radio. Comme il y a aucun signe.
voilà, ils vont monter carrément sur, sur l'aire de jeu. L'équipe adverse, c'est 15 minutes en haut. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Nous sommes désolés de travailler dans des conditions comme ça. Est-ce que tu as de le 15 minutes? C'est toujours comme ça. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DiascoFoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit...
Au revoir.